Depuis mon doctorat, je recherche la syntaxe comparative et diachronique des langues romanes et plus récemment du grec dialectal. En général, ma recherche étudie la relation entre le changement syntaxique, l'acquisition et la sociolinguistique. Il existe un fort consensus sur le fait que la théorie linguistique des différentes convictions a transformé notre compréhension du langage. La question évidente serait alors de savoir si nous avons également besoin d'une théorie du changement de langage. La question n'est pas nouvelle et au moins dans le paradigme génératif, la réponse a été négative. Cependant, la linguistique historique formulée dans la tradition générative a souvent et à juste titre a été critiquée comme non historique, en particulier compte tenu des changements induits par le contact. Quel type de cadre peut-on envisager pour des explications du contact syntaxique? Dans mes séminaires, j'explore la reconstruction syntaxique basée sur des repères tels que proposés dans mes travaux antérieurs et je teste cette approche dans le terrain de l'Anatolie. Je soutiens qu'il n'y a pas besoin d'une théorie spécialisée du contact, mais plutôt d'une compréhension de la nature de l'input à l'époque, qui ne peut découler que d'un examen attentif des conditions socio-historiques. Excellent, stimulant, énergétique, avec le potentiel de nouvelles collaborations chez Zinalco, mais aussi en dehors.